L'Ukraine a annoncé ce vendredi de nouvelles attaques sur le territoire russe. Les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir frappé un dépôt de pétrole et une station radar de défense aérienne. Selon l'état-major de l'armée ukrainienne, l'attaque contre le dépôt de pétrole Atlas dans la région de Rostov a provoqué un grand incendie dans l'installation qui fournissait des produits pétroliers à l'armée russe. Le dépôt avait déjà été attaqué plus tôt dans l'année. Une autre offensive a été menée au sud-est de Zaporizhia. Où l'armée ukrainienne a frappé une station radar qui avait le système antiaérien Buk-M3. Ces attaques surviennent au milieu de l'escalade de l'offensive aérienne russe sur les villes ukrainiennes, où l'infrastructure énergétique reste la principale cible de Moscou. Les températures sous zéro en Ukraine et les coupures d'électricité d'urgence aggravent la situation humanitaire dans des régions comme Kiev, Odessa et Donetsk. Pendant ce temps, Kiev a intensifié les bombardements sur le territoire russe après l'approbation des États-Unis pour l'utilisation de missiles à longue portée. Ce développement se produit à la veille de changements possibles dans la politique américaine avec la nouvelle administration de Donald Trump qui devrait prendre ses fonctions en janvier. Pendant ce temps, Biden se dépêche d'approuver une aide militaire pour Kiev dans la lutte contre Moscou.